Bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RTS. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, et Yindi Bandeko, armée rwandaise, RDF, libère certaines zones mais renforce d'autres. Bandeko, Bogoyoka, Deba Live, et Deba Aventure, et Komiato, et Zosenga, Bakondi, Badjoa décision sur la guerre. Parce que c'est trop Bogoyoka, Deba, peut-être qu'on discute, on peut tous ensemble, parce que trop c'est trop. Ba Congolais, Balembi, alors, Bogoyoka, participation, Bandeko, docteur, Baleki, bah, lobby, en tout cas, est trop, que, en tout cas, ceux qui bouillent, déclarent la guerre. Parce que, dossier de l'embi, oyo président rwandais, oazo saranambo karabiso. Et ça y a kouinda, et si et yindi bandeko. Alors, bandeko, émission de M. Bandi est commettante sur l'ensemble de la situation politique à RDC. Pour bandeko, ma kamboza minene. Awa, toko sur la sur ouzo le canal est passe beaucoup yoka ndenge ni bande ko ebele ba pesi ba ide pe bande ba zolo ba pona est armée rwandaise RDF comme base bazo sala ba aventure ba longwa ba ke ba sali maboke quelque part donc c'est à dire bazo do bango na bango kaka. Armée ougandaise, bah lobi qui va continuer à bazar à Bunagana, baso coûte armée 23, armée rwandaise, bazar à Bangoana. La communauté internationale, bah si bah loi qui puisse monter mes en charge, ils l'ont osé. Bah ici mon konzamboka, na makambo nyonso, peuple congolais à lobiye, tout déclaré kagagé. Mais makambo n'engage aucun. Et ce qui n'est pas bien dit. Situation est, c'est un moi confusion, moi que je sais que je suis tellement directement. Alors, mais tout le temps, aventure, après tout, il y a un bandeko, un cambo bandeko, un lobby. Bandeko va décider de me quitter, et là, on y bandeko, un lobby. Un lobby que. Le col à bango balongwa ba kea ba komi koto ba kea ba komi sadi bango kea na bango ti. Toza la même position. Bah, ils ne vont pas quitter. Force à EAC ba yé, ba pesani ba mbote, armée ya Soudan pa yé, armée Ouganda yé, bango nyonso bazawana. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Bandeko ba djuba décision à bakasi. Ou bien, to vende sa 1-23 to so la na bango. Tout peut savoir en position à la souka. Tout peut savoir directement. Ndenge baluba qui n'a accord à Angola et te bokende ou bien déclarons la guerre. Oya gagne a gagné. Alors, ma kambouana nyonso, tu koyo ka une émission. Mais, ce que tu otala, c'est ce qui se passe à l'est. Ma konzela, c'est belé, baso le ksaka l'air na ma kambou belé. Il fallait qu'on discute pour Namboka. Il fallait qu'on tel me bele ba ota la élection. Et bele ba ota la mer. Mais c'est ça aventure. Oh, biso moko tozo mona clairement na misu. Comment se fait-il qu'ils sont dit ils ont quitté mais ils sont aux alentours. Bazo yenga yingo. Tozo lo ba nomba na mbala. Le 1-23 ba quitté. Toko sutu kana ndenge moka mbulu. Pasi non pa kiti. Banba oho tu wana ba. Village bo ba ziwana. Siko ba lobi ke so fade sa meka kuya wana. Betumbe bandi. Bosala mwogere banda. Se le 1-23 mtu ba zolo ba. Kena ba zonu wana. Oya ba mba pesi na EAC. So kika ka fade sa ye na ba zonu wana. Bango ba zonge li bitu. Mais pour ça, là, yango! Bitumbe banda! Tozo zelani! Alors. Donc, bama kamwazo le kane zama la mouti. Ba
armée zo kota na mboka na biso ba grande ba, ba armée convention zo kota. Mais nous avons une armée où ils ont makasi FARDC. Faut te féliciter bazo bundana M23T bazo bundana ba armée conventionnelle. Ouganda et le Rwanda nous font la guerre. La situation est à la bande de Kaka Ouganda ouyo. Mais moi, je suis en Ouganda. Je suis en mesure de me dernière fois, je suis en mesure de me conduire à Souda. Je suis en mesure de me conduire à Kenya. Donc, je suis en mesure de me conduire à Ouganda. Alors, le message est en Ouganda. Ndenge na ndenge. Rwanda, ndenge na ndenge. M23 égale armée rwandaise égale armée ougandaise. Et là, on n'y va pas faire ça. Arrête un peu avec toutes ces histoires qu'on discute là-bas. Hein? Oh, voilà! Toujours discuter sur l'élection 2023. Mais t'as là, je vais faire un exemple quand une émission est en il y a un serpent qui continue à attendre qu'on a eu. Yo, vous avez discuté à moi, Sina. Yo, bien, vous continuez à discuter. Non! Vous allez chasser d'abord les serpents de ta maison. Après, vous et ta femme, vous allez discuter. Parce que tant que les serpents là, vous continuez à. Bien, vous allez vous comment un problème sérieux. Si quoi, vous avez autorité politique. Parce que vous avez l'élection 2023. Bah, le but est que l'élection est ça, t'es l'élection comme ça là. Mais pourquoi pas? Bon, tu sais, quand on a une discussion, il y a des élections, pour ça, une discussion, ma caba est. Un débat, et l'on y est de sa salle. En tant que pays, avant tout qu'il y ait une élection, tout le monde s'abattouille. Mais ce n'est pas ça. Batoukoutou, bah, on s'amène contre Jean-Pierre Bemba. Bonjour, ça la contre mon tout, ça capable. Mais bonjour, où est la belle élection, la bine? Oh, opposition. Tout va là. Tu sais bien que l'opposition en a. Bon, on va en se n'habite sur camp. Tu sais bien que Bogobunga n'est pas parti politique, bah, Bako, bah, y'a aucun bino tout. Bogobunga a bon. Et l'Union sacrée va continuer à diriger ce pays. Bon, lui, qu'on a bon mon côté. La préfet claire, bah, présent, ben, qui vient de tout ça, tout bon, ça, pour tout bon, ça, il y en a qui ont révisé. Parce que, bah, ça, n'a besoin, bah, de présent de la République. Entre temps, les pays brûlent à l'Est. Mais quand on a autant, après, on a eu une émission, et que je fais, bah, congolais. Bah, on a continué continuer, bah, et comme tu as conduit, tu as le bébé directement à mesure nécessaire. Tu as conduit beaucoup de la pongi bouillie. Tu as un problème, tu as une décision claire parce que trop c'est trop. Alors, tu as un anneau, tu as une aventure. Sauf si tu as une aventure, tu as un débat. Après, tu as un problème, tu as décidé de mission. Tu as un anneau, tu as une aventure à l'Est. 4 jours après la date du victoire, décidé par la réunion des chefs d'état-major de l'EAC, le 9 février, le retrait des rebelles du M23 reste toujours controversé. C'est le constat fait par plusieurs sources contactées par la radio Capi ce dimanche 10 avril 2023. Ces sources reconnaissent que les rebelles font semblant de quitter certaines positions tout en apportant des renforts dans les territoires de Masisi et de Rutshuru avec l'appui du Rwanda. Les sources locales affirment que les rebelles du M23 ne sont pas visibles ce dimanche matin dans les villages de Kishishi et dans l'agglomération de Bambo dans les territoires de Rutshuru. Bah, lui, il a quitté Kishishi, Bambo, Meboyoka et Abuto. Ils auraient quitté la nuit dernière certaines positions comme Kitobo et Rusinga autour de la cité de Kichanga. Cependant, ces rebelles sont visibles dans l'axe Kichanga Mwesu, voire à Kilirowe et Moshaki dans les territoires de Masisi. C'est-à-dire, Batiki na Bangwana me bake kote, Yanzela mune bake bakangi kote, c'est-à-dire, bavandi kote wana. Oh, monsieur Zaba kite wana, bake na kantonman na bango.
Tozoe sa yoki makambo ya minenge. Pourquoi l'armée angolaise tire le bazo komate? Trop c'est trop. Alors, ils continuent à maintenir leur position sur l'axe Bunagana Rutshuru Kiwanja. Kuna peli sunde yemo. Ba kite Bunagana. Babi armée ougandaise ba komi. Bango ba kesko na l'axe. Iwana china Rutshuru Kiwanja. Ba pemi na bango kote kuna. Armée ougandaise ba beta turwe. Ba moni bango. Yaonzo mona président rwandais na président ougandais. Ba zana problem serye na mboka na biso. Makamboza minene. Alors. Entre-temps, le déploiement des troupes ougandaises IPDF de l'EAC sur l'axe Bunagana Rutshuru peut être entièrement exécuté. Ces militaires de l'IPDF se limitent à faire quelques missions de reconnaissance du terrain, mais campent encore à Kisoro, près de la frontière de Bunagana, côté ougandais selon plusieurs sources. Donc, au sommet de Kesa, Mawa, ces militaires IPDF de Bakoti, bazo sala baba nina bango mais bazo mona bango 23 ans aiwa dans les territoires de Masisi. Malgré la présence des militaires burundais de l'EAC à Kiliro et Mushaki, les rebelles du M23 gardent toujours leur position dans les secteurs. Ils continuent à y percevoir des taxes illégales exorbitantes sur les camions de marchandises et même sur les motos transportant des produits vivriers. Ba teremi bazo zela ba carte ce zoleka bazo zoa ba mbongo. Il y a un carnet sur le péage, il y a un bon carnet. Cette situation ne rassure pas la population civile qui voudrait retourner dans ces zones, indiquent les mêmes sources. Dans un communiqué publié le 29 mars 2023, l'armée avait pointé du doigt le Rwanda qui serait en train d'acheminer des renforts en troupes et en équipement en faveur du M23 en RDC. Donc, Batouan de bozo mona wana bazo sala ba aventure. Makamboza minene bande konangai. Soki tozo lopa ke makamboza minene parce que pa konzi ba joa décision. Jean-Pierre Bemba joa décision. Ezali sou tante ya ko vanda. Ezali sou tante ya ko lwa makamu sou. Ezali tan oyo. Bemba a joa ba décision moko direct parce que le pays est en guerre. Donc, président de la République, va vendre na Bemba, va décider. Va Congolais va lobby, trop c'est trop. Les aventures continuent. Oh, et ainsi. Oh, boy. Donc, tout le monde a kaka. Aventure, na aventure. Oh, bateau, bakei, mais, bazana bango kaka wana. Alors, si vous tentez autant la biloka boy, et so senga ba konzi. Na makambo en tout cas ba décision jama directement parce que M23 ba kiti mais côté musu bazo bina na bango président rwandais na président ya Uganda bazako continuer na aventure na bango. Alors si vous au moins clairement été bandeko ba konzi ba joa décision va déclarer guerre. Ce côté, qu'un côté, il y a deuxième partie. Deuxième partie, au tozo kendi. Et ça, y a déclaration de la guerre. Alors, va lobby, que Fachi, na Bemba, mais na ba vendre autour de la table, va lobake, allons en guerre. Toza le sou na chouate, matche sa mouboulou. Tomeka, ko développé. Bandeko, Totangi wana, mais si vous avez kende na deuxième partie, il y a débat, il y a déclaration de la guerre. Mais tout le monde a totangi. Ba lobi armé ougandaise, ba kota Bunagana, ba oba kite Bunagana, ba oba kena ba axe, Bunagana Rutshuru, ba zo kanga ba, tu kotwa ba taxi, ba tche barrage, tout ça ba vandi wana. Ba kena kichanga, ba lobi armé Burundi azala wana, bango ba kitina kichanga mweso na axe wana nyoso kichanga mweso tina basi ba vandi wana bazo percevoir ba tax. Okena rumangabo kibumba. Kibumba armée kenyan ba vandi wana armée M23 ba na axe wana kibumba bango ba kote na aveni na kote ayuna baza kosala opération na bango o bazo jape pre ba 40
Donc, par mois, il y a 40 000 dollars. Si vous avez combien de dollars, car moi, il y a 400 dollars, 300, 200 dollars. Donc, il faut taxer le mitouka. Il faut que le transport ça va faire, ça va cotisation va payer 100 dollars. Donc, il faut que le mitouka. Ba sale ba péage na bango mbongo na bango ba taxe illégale ba zozo ba ko kite na bango te. Donc cela veut dire ba se évader na kati ya fouri mais na ba axe entrée ya ba mboko bon ba tiki tiki dans les stratégies. Alors maintenant les missions yo beaucoup yo kabande ko bazo débattre si la déclaration de la guerre balobiki étant to zanango ezo senga ete bakonji badjo décision pour to avancer na makambo parce que ezo mona clairement ba aventure ezo salama bakawa balekiao bakawa balekiao ba baluki kula basali bwe komi ba aventure. Donc, yo kande ko moko ko poser question puis bon yo ka réponse ba ko pesa été exactement l'histoire ko selati match za mobulu ba konti ba jo ba décision mo makasi mais musu ba pesi proposition beaucoup tana 23 boye bisa bango bo kite ou bien so bo li ko kite te bo kende ba yose bino application ya kora Luanda doit déto déclarer guerre directement parce que nous sommes en guerre. Vamos suba lo que va fuerza es señoso va kende qu'il dégage. Alors bande côté kana une proposition à décision parce que trop c'est trop à l'est oyo ba congolais ba lobby ba konzi ba salela yango tolanda. De l'auditeur qui vient nous appeler depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. C'est David Kalonji depuis Lubumbashi. Je trouve que notre pays, la République démocratique du Congo, par ses autorités compétentes, doit prendre les meilleures décisions de l'histoire face à cette guerre imposée par ce groupe armé d'un 23 qui continue à présenter une persistance qui met en doute la force régionale et même aussi celle de la République démocratique du Congo. Alors, je souhaiterais que la République démocratique du Congo prenne de grandes décisions de l'histoire. La première option, d'abord, faire un dialogue final avec le groupe M23 et le pays qui est accusé d'arrière-base. Et la deuxième décision, c'est lever ou prendre l'option de l'état de guerre. Sinon, la République démocratique du Congo va paraître comme un état qui a échoué face à cette guerre. Professeur Radisalé, oui, il y a à boire et à manger. Mais je pense que je suis au moins d'accord sur le fait qu'il faut une décision historique. Et cette décision historique, je la mets dans ce que j'appelle rompre le cercle vicieux d'insécurité en République démocratique du Congo. Et cela doit nous ramener à un cercle vertueux de sécurité. Et concrètement, comment? Concrètement, c'est-à-dire comme on est en train de le dire, n'est-ce pas? Si la République démocratique du Congo ne se prend pas en charge, rien ne va changer. Alors, ici, il faut maintenant savoir comment on rompt. Concrètement, si vous me posez cette question, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Et je trouve qu'effectivement, nous avons un problème stratégique. Et c'est ça toujours le problème des pays africains, en général, et de la République démocratique du Congo. Pourquoi on reste technique? Je dis bien, si nous étions tous d'accord que le M23 n'existe pas, il y a les Rwanda et l'Ouganda, parce que l'ANR l'a prouvé, n'est-ce pas, qui nous attaquent à travers des supplétifs. On serait en train de se battre ou bien de négocier contre le Rwanda une fois pour toutes. Non, monsieur le journaliste, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Et on doit être capable de coordonner les solutions. Mais je peux proposer deux, trois pistes de solutions. Très simple. Ça va? Premièrement, comme toute nation, nous avons encore des articles de notre constitution qui n'ont jamais été utilisés. Qui a dit à tous les gens que nous sommes faibles? Je ne sais même pas. Quelqu'un veut vous faire croire qu'on est faible? Non, je félicite nos frères de ceux qui sont en train de se battre contre plusieurs armées organisées. Ce n'est pas le M23. Notre force armée que je félicite énormément, malgré des dérapages, etc. Mais ils sont en train de se battre très fort. Il faut les renforcer. Ça, c'est sûr et certain. Et il y a des stratégies, mais je passe directement. La deuxième grande opportunité, elle est politique. Les forces armées sont
Ça va? Au service de qui? Au service de la population. Et pour l'instant, nous avons le chef des armées, c'est le président de la République. Donc, le monde politique doit s'organiser. Ça doit être la deuxième force. Je pense que pour l'instant, nous avons un monde politique, excusez-moi les termes, un peu faible. C'est-à-dire que les gens sont là en train de se battre pour les élections, moi je veux rester député, je veux être ministre, etc. Mais on ne sent pas la force politique qui se bat comme un seul homme pour défendre la République démocratique du Congo. Ça s'est passé dans toutes les nations. Quand le pays, ça va, quand le village est en train de brûler, on doit éteindre d'abord des petits conflits de rien du tout de la maison. Et on éteint. Quand le serpent entre dans une maison, n'est-ce pas? On ne peut plus continuer à se battre, non, maman, des problèmes avec papa, avec les enfants. On chasse les serpents, on tue les serpents, on peut continuer. Non, on a jusque-là, excusez-moi les termes de nos prélats, une classe politique assez médiocre, excusez-moi les mots, n'est-ce pas? Qui fait en sorte qu'on ne comprend pas l'important. Et la troisième force, rapidement, qu'on doit utiliser, mais c'est la force diplomatique. Mais on ne doit plus continuer avec une diplomatie assez naïve. La quatrième force, c'est la force exactement de la justice. La justice, on a déjà condamné qui? La République démocratique du Congo a déjà condamné qui? Un étranger ici. Et la cinquième force, c'est la force sociale. La force où on a plus de 450 tribus et ethnies. Alors, il faut une stratégie où on ne doit pas confondre les histoires tribalo-ethniques. Alors, Bandeko Tolandi Bisonios. Dans mon moni, comment? Balobi baloba critiquer mes politiciens à Bisou. Nde kwa na lobi ke komi tatu zo ba decision mo kwa makasi po na mboka. Po batu oyo, ba aventure za makasi to telema po na mboka na biso. Paske, peyi deja to zana problem seri. To se la nini, to tika nanu makawabe eleksyon wana. Ba lobi ba politisyen makambo to osa le zama la muti. Le pays est en guerre. Et Batubazo, où est là-bas poste? Babima, président de la République. Oh, comme président de la République en Opé. Ah, Nzambe. Les monsieur Natali. Tozana makamba minene à l'Est. Mais bino bomoni nanu. Tobima, président de la République. Tosa la bote. Mais tozo kende wapi. Pande que l'air est grave. Ma kambo toza na wana es. Et so senga batu ba comprendre. Qu'est-ce qui se passe? To landi wana. Bande ko ba explikango clairement. Nde ko la Lubumbashi. A le batu ba décision mo histoire. Claire. Ou bien ko yipsa inventoire. Boy, 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 boy. Et puis, nde ko msa du parole. C'est ça. Bande ko, situation toza na wana. Eza makambo oyo batika makambo nana be election. Election ko za nango. Me to tika na koloba loba kuna to sangana to bengana batu. 3 mois maximum na mois de juillet be to bengani batu bistoire. C'est 3 mois guerre na batu. Tito ko ifakie bango nyonso libanda. Somona même na ambassadeur à Russie na Nations Unies a lobi na ba congolais to bongsa armée na biso to se respecté armée na biso comme armée moko makasi to somme bundela makasi to déclarer guerre na Rwanda to zo zela nini bande ko ba comme to pesa ba question lelo réponse yi et pas ba congolais na plateau. Bazo yebisa mkonza mboka. Eza tali suwa makambu wana te munguna siya kote libisu. Tozo potana kasiri kwa. Tozo wa badesisyo makasi to benga na munguna o ya kote libisu. Kil parte. E se fini. Tozo kende wapi. Voilà la citation o toza na mbo. Peye eza menase. Bisu to tele mampo na mboka. Tostodo ba bende le koyate il est temps. Pays oyu ezali subuiti. Bandeko tala mboko tozana ngwa. Tozana vre mboka. Me bato na ba politicien moto ba otia mboka mubulu. Tozana vre pays. Ba politicien
au lieu que basiba lobi ke ba sale enrollment des électeurs bazo sa ba comme sélection ko za nango mais pour tikana ba débat sur l'élection bon j'ai l'air la propagande siko yo to lo makamba est-ce ndeni to ko benga na banguna oyo ba côté biso maintenant tout ça la force étrangère na est haïti to landi wana armé wana ba ko perception lokonini ba ba siba ba wa iko bundati. Donc, c'est-à-dire, bah, l'Ouana, bah, observateur, il n'y a rien. Alors, au lieu que ma conduite de ma décision, mon quoi, ma casse, au Rwanda a senti la déclaration de la guerre. Et c'est tout. Voilà ce que nous allons préparer. Comme ça, tu bombardes bateaux, tout, et c'est fini. Armée kenyane, yo zonga namboka na yo. Yo. Zonga, yo, zonga, allez, bato à tout bayate, tu déclarer la guerre. Parce que maintenant, tu coquilles. Tous en avant, homme en équipement, même la Ukraine, ils ont fait ça. Tous en y'a beaucoup yoka. Alors, bata Ukraine, bah, pèse ma civil Mindouki. Hein? Beaucoup yoka en article la Constitution. Article constitution va appliquer en gombala moko. Déclarons la guerre. Batu tout ma kota. Na peuple n'y a ce djoua mundu ki kota nan zele, c'est tout. Toza na chouate. To moto kake pela na est. Ba groupe armé wana n'y a ce autochtone bo yibo zubino tout ale to ke nega amartwa. Toza sou na chouate. Talaba vanti raison le kana est. M23 kena yete baso sala ba fantira ko sakana ngote texte to chekene zuvana nye tanga yango o comprendre que za suka na ba aventure na EAC na M23 aventure na aventure e ya ko suka bango na bango pe kombitumba ndeto za guerre Uganda na Rwanda na Kisangani likola ba minere pas makambo za wana ya de trafic qui se font pour le moment. Rwanda na Uganda baza pena ba guerre bazo wela ba portion na bango. Alo, mena peuple alobi trop c'est trop. Tozo kende ti wapi. Peuple alembi et komitant ba congolais ba lobi déclarons la guerre. Article ya constitution en application bitumba ebanda. Alo, bande kolangeza son. Alo, sans plus tarder toyoka comment et si yindi été bandeko balobi que tozo déclaré guerre na Rwanda bitumba et banda. Alors toyoka extrait oyo déclaration de la guerre ndeni article 86 bakotanga yango to lananano yango bongo après to commenter comment batu oyo ba tiembo kamobulu mena ndenge nini batu ni question na journal que soki yo za président de la république abi déclarons la guerre, ma kamukoubi batouba kota kaka, et yinda kaka, doba lwa esi yindi. Toyoka, bongo to avance. Vous semblez fustiger la faiblesse de la classe politique. Si vous étiez à la place des dirigeants actuels du pays, qu'est-ce que vous auriez dû faire aujourd'hui? Je vais résumer comme on est à la radio. Immédiatement, c'est la conclusion, hein? Immédiatement à la seconde où je vous parle, je met en application l'article 63. Parce qu'une nation de la Constitution qui dit qu'on doit se défendre avec tous les moyens, etc. Vous voyez ce qui se passe par exemple en Ukraine. On a douté même aux civils des armes. D'une façon organisée, ce n'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Ça va? On est très fort. Je mets en application l'article 86 dans moins de 48 heures. C'est-à-dire nous devons déclarer la guerre. Des autorités qui sont incapables de déclarer la guerre et pourtant nous sommes en guerre. À vrai dire, nous sommes en guerre, mais nous ne déclarons pas la guerre et nous ne comprenons pas les conséquences. Si nous n'appliquons pas l'article 86, théoriquement, même le budget de l'armée va sortir d'où? Parce qu'il faut un budget spécial. Quand on est à l'article 86, déclaration de guerre, c'est-à-dire qu'on arrête un peu tous ces superfuges, ça va, au programme. Vous déclarez la guerre, mais il faut être à mesure d'assumer une telle décision. Bien sûr, ne vous en faites pas. Il faut assumer, c'est là où on vous dit effectivement nous avons une faiblesse. Assumer c'est quoi? La Corée s'est battue contre les États-Unis. Qui ne s'est pas battu contre les États-Unis? Vous pensez qu'ils étaient prêts?
à se battre contre les États-Unis. Il faut déjà une sorte de morale. Quand vous avez des dirigeants qui pensent qu'on doit négocier, on a déjà assez négocié. Merci. Déclaration de la guerre. Batounine de Kouyo question. Sokozaki président de la République. Nandenge potopoti si koti, nandenge des eaux kota na est. Sokozaki président Félix Okoloba ni. Ya lobezaka application ya article de la Constitution. Déclarons la guerre, bitumbe banda, RDC na Rwanda, makamwe bandi. Donc c'est tout. Parce que déclaration de la guerre, ba voisin ba ressentir. Pourquoi les M23 ont denda pas s'agibi que nanu bayeli en face situation ti. Armée rwandaise bayeli bango en face situation ti. Ce qui passe à l'est eza ba aventurer puis bango EAC ti le lo bazomona ke far de saza armée moko faible. Bazomona biso ba faible tozo déclarer guerre to la nini ko. A ça clair. Abi réponse est simple. Si j'étais président Félix, déclaration de la guerre, parce qu'on est déjà en guerre. En Ukraine, c'est la même chose. Il faut se défendre et puis quoi attaquer Monguna et Nambo Karabiso. Tous les gens ne peuvent déclarer guerre. Entre temps, tous les gens en guerre. Mais pourquoi déclarer ça ouvertement? Voilà. De quoi peut-il répondre s'il était le commandant suprême? C'est ça. Parce que de quoi on a tenu question? Ce qu'on sait la nini, ce qui nous a présent Félix. Déclaration de la guerre. Même qu'on a zoloba. Pandeko. Et comme théâtre, il y a une aventure, il y a une minerie, il y a une moukite. Alors, en tout ça, pays déjà tous en position de force. Rien ne nous manque pour le moment. Ma kamo dozo loba et qu'on pousse maintenant président Félix Ayako Salango maintenant parce que bateau yo ba kubimati. Ba kite mboko yo ba ke bazana kichanga batse yo na axe wana. Ba kite bunagana ba bi almo ugande ba kota ba bazana mwanzo alantour wana. Do basale lokuti. C'est-à-dire ba pesi pe message. Ce qui te moni far de si wana, biso te kouya bitou. Et puis, bazo lo bango clairement orgueil, que tu ya kou bengana far de si, ata bazana bunagana, biso te ya kou bengana bango. Donc, bango ba yebi far de si wana, kako bango ba yebe laki. Non. Il faut bombarder ces gens. Et mou bozo yo kena bango maba, bombazana bango na mawata batuste. Bon bombarder bango, Makamwe sila. Félicitations docteur Sahel na message na yo parce que yo le biso za présent en tout cas guerre kakabat bande ko il a raison. Tous ces années. Nous sommes déjà en guerre de ce salut le côté. Eh tolinga te tous déjà en guerre parce que bango lui ba ko bimati. Au moins des dossiers ya armée angolaise ko ba comment raisonner angle mus. Armée Angola va se raisonner maintenant que match est ok dans la guerre. Passe 1-23 bonnes coupima. Bah on mission mais ça va vérifier ce qui va bimé ou pas. Maintenant va dire vérification que va bimité. Et ça on soit bon bâté au lieu que bah on va y va déplacer bah c'est bah yo qui va bimité. Y a un armement angolais pas vendu. Bah c'est là. Qu'est-ce qu'on peut se faire? S'occuper secrètement déjà bazana bangona na kindu on ne sait pas mais maintenant bango pe bazo position parce que makambo zo sokaka sadek na FARDC batake batu ba libérer c'est tout. Uganda Rwanda bazasima na bango ba lobbye ke bako bimate. Et puis présent Uganda ta ba komi na Bunagana a lobi biso to batte la ngoza propriété privée ya 1-23 azon lo bango na orgueil nyonso. Voilà la situation ba konzi bo komi devant un fait bonzo ba décision ba to ba kende trop c'est trop déclaration de la guerre est comme imminent
Donc c'est tout. Alors, Bandeko, voilà de ce que on a pour qu'on ait match est à mon boulot. Peuple a tombé qui. Alors, c'est à ce point de comment clôturer mission à Bissou. Bon, continuez à s'abonner massivement. Au revoir. À la prochaine.